Comment il est arrivé là? On ne peut pas voir de l'extérieur si un œuf est cru ou dur. Bien sûr que si. Comment? Il suffit de les faire tourner et de les arrêter. Je vais te montrer. Okay. D'accord. En ceci. Voilà. Donne-moi ton œuf. Tiens. Je le fais tourner et je l'arrête. Cet œuf-ci est cuit dur. Tu es sûr? Absolument. Vérifie. Ok. Il faut être dur, il est dur. Je te l'avais dit. Voyons un peu. Prends celui-ci. Est-il cru? On va le voir tout de suite. Celui-là est cru. Je vérifie. Tu es sûr? Juste un petit contrôle. Il est cru. Ouvre-le. Ah, j'ai compris. C'est limpide. C'est un petit miracle. Lorsqu'on arrête un œuf cru qui tourne sur lui-même, il reprend sa rotation. Mais pourquoi? Il faut faire tourner un œuf, puis l'arrêter et ensuite constater ce qu'il fait. L'œuf cuit ne bouge plus. L'œuf cru reprend de lui-même sa rotation. Dans l'œuf cru, le jaune et le blanc sont liquides. Dans l'œuf cuit, ils sont durs. Lorsqu'on les fait tourner, l'intérieur tourne avec. Lorsqu'on les arrête, le blanc et le jaune dur s'arrêtent aussi. Alors que l'intérieur liquide de l'œuf cru continue de tourner. Il imprime un mouvement à l'œuf qui reprend sa rotation. Si vous n'êtes pas sûr qu'un œuf soit dur, inutile de l'ouvrir. Il suffit de le faire tourner et de l'arrêter. S'il recommence à tourner, c'est qu'il est cru.